Bonjour peuple congolais, bienvenue sur Combat Fédéré TV. Aujourd'hui sur notre rubrique Les images d'actualité congolaise, je vais vous présenter la visite du roi des Belges, le roi Philippe, dans l'ancienne propriété privée de son ancêtre, le roi Léopold II, qui est la République démocratique du Congo. Abonnez-vous! Actionnez la cloche de notification pour ne rien rater. Abonnez-vous, likez et partagez. Jingle. Après la remise, voilà, le couple royal est là. Le roi Philippe et la reine Mathilde qui descendent de l'avion, bras dessus, bras dessous. C'est un signal fort hein, pour un couple qui s'aime. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo nous a toujours habitués à ces pareilles images. C'est un signe d'amour, voilà, poignée de main entre le président de la République, le garant de la nation. Et le roi Philippe, il salue également la reine Mathilde. Et le roi Philippe salue la très distinguée première dame, Madame Denise Nyakeru. Un petit échange de mots, monsieur le président, monsieur le roi. Soyez le bienvenu à Kinshasa. On vous attendait en 2000, mais la Covid avait dérangé un peu. Aujourd'hui, votre temps est dégagé. Nous sommes très contents de votre arrivée. Et ces mêmes mots se sont répercutés hein, par ces jeunes filles qui fleurissent le couple royal. Pour votre gouvernement, très chers téléspectateurs, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a passé une grande partie de sa jeunesse en Belgique. Et il a créé un carnet d'adresses très fouillé. Et il était le chargé des relations extérieures de son parti politique et l'UDPS, il a sillonné le monde et ils sont pratiquement de la même génération. Le roi Philippe et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a quelques différences près au niveau de l'âge. Je crois que Philippe doit être plus âgé au moins 2 ou 3 ans par rapport au président de la République. C'est la même génération. J'ai suivi le secrétaire d'État, je crois, des Belges qui disait à l'implication de la jeunesse congolaise dans la reconstitution, la promotion et la conservation du patrimoine culturel congolais. À cet effet, nous invitons Son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et Madame la ministre de la Coopération au développement du Royaume de Belgique à bien vouloir prendre place pour la signature. Ils vont donc signer ce document de coopération, bien entendu, entre les deux pays, d'une histoire bien riche, enrichissante, mais en tout cas parsemée de plusieurs zones de turbulences, mais en tout cas, ce sont les relations entre les deux États qui sont donc les relations qui méritent bien d'être étudiées profondément pour que l'avenir soit épargné des différentes incompréhensions. Voilà donc en présence de Sa Majesté le roi de Belgique et du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, de leurs épouses, mais aussi des membres des deux gouvernements respectifs, le vice-premier ministre des Affaires étrangères et la ministre belge en charge du développement, ont donc signé ce protocole d'accord de coopération et vont donc échanger les documents comme l'exige le cérémonial en pareille circonstance. Je suis le roi Philippe, je suis pour lui,
le cadre de cette réunion du Congo Belgique et que je dis ça, nous allons donc pour et faire un pour la vie qui est con, qui est con, qui est kuna wekenda wekolo Belgique ni moyangwana alakisi polele na ekeko suku oyo batalisi na mse ya baimbuka ya banekolo Congo Démocratique esika bomoni batata bakondi banso babale ya biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo longo na mwani waye mama Denise Nyakero Tshisekedi roi belge Philippe longo na molonga ni waye mama Mathilde bango baye sika oboso ya ekeko eye bakuti kotalisa na bambotama ekolo Congo pratique et bon et qui connaît Kakundu mingi penza ya badeko ya biso ya basuku et qui connaît na ya roi zomisika au matin mais pour le Congo démocratique elle débatte en bouquet na zomisika la musée nationale sika le roi Philippe et le roi d'accord pour le Congo va contambora monté mon père contant la vie que Kobi soit ils ont les quatre na musée nationale ils avaient contant les sabons coco ils avaient contant les santo qui ils avaient beaucoup coco ya école Congo démocratique et Kasibo et bah il y a plus de 70 ans, par un chercheur du musée de Tervuren, cette œuvre d'une grande beauté fait l'objet d'un prêt illimité du musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren au musée national de Kinshasa, qui peut ainsi reconstituer ses collections. Elle marque le début symbolique d'un renforcement dans la collaboration culturelle et muséale entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Le mémoire d'entente consacré au thème jeunesse et patrimoine culturel qui sera signé. C'est une joie de pouvoir vous remettre ce masque Kakungu aujourd'hui, officiellement. Je vous invite à le dévoiler avec moi. Tout à l'heure, il a été dévoilé au public. C'est toute une histoire qui se dévoile devant le peuple de la République démocratique du Congo, mais dans une circonstance très festive. Mais en tout cas, entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui reçoit son ordre de marque, Sa Majesté le Roi, Philippe de Belgique, qui est donc arrivé à Kinshasa depuis hier. Et voilà, donc le président est en train de lire les inscriptions sur ce masque qui vient d'être dévoilé. C'était donc une grande cérémonie dans une autre, celle de la visite du roi ici au musée national de la République. Voilà, peuple congolais, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. Abonnez-vous massivement, peuple congolais, et à bientôt à notre prochain numéro.